Aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Enfin, pas vraiment longtemps, mais je te dirais que c'est quelque chose que j'ai négligé pendant longtemps. Et cette chose, c'est la création de mon logo. C'est un logo que je vais utiliser pour mettre sur des t-shirts et pour créer mon merchandising. Et la raison pour laquelle ça m'a pris autant de temps, bah, c'est parce que, je vais pas te le cacher, j'avais pas vraiment d'inspiration pour créer mon logo. J'avais pas d'idée et je t'avoue que le côté créatif, c'est pas mon fort. Donc j'ai pas voulu forcer les choses, j'ai pas créé un logo à la va-vite pour qu'au final, il ne me plaise pas. Je me suis laissé du temps, j'ai aussi discuté avec des personnes que je connais dans le catch qui m'ont proposé des idées. J'ai mixé leurs idées avec mes idées et j'ai fini par trouver quelque chose. D'ailleurs, je vais te montrer ça tout de suite, j'ai mon logo ici sur mon téléphone que je viens de recevoir fraîchement. Donc ça ressemble à ça. J'espère que tu vois bien. Donc en fait, c'est une main avec une planète qui est à moitié en feu. Et juste en dessous de le texte, il est marqué « The world is Björg's ». Donc en fait, c'est une phrase qui est tirée de « The world is yours ». Donc c'est dans le film Scarface. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce film. J'ai repris cette phrase, mais j'ai mis mon nom à la place pour dire... En anglais ça sonne bien, mais en français ça sonne bizarre parce que ça se traduit comme le monde est Björg, mais en fait ça veut dire le monde appartient à Björg. Franchement, ça a pas de la gueule ce logo, n'hésite pas à me laisser savoir ton avis dans l'espace commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Et donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça c'est un logo qui va me servir pour créer des t-shirts. Je vais mettre le logo sur des t-shirts et ces t-shirts là je vais les emmener avec moi sur les shows auxquels je vais participer. Et je vais même essayer de voir s'il n'y a pas moyen de les mettre sur Pro Wrestling Tees. Donc ça en fait c'est un site internet où les catcheurs indépendants peuvent mettre leur merchandising en vente. Et comme ça, si jamais ça t'intéresse d'en avoir un, ben je pourrais te mettre le lien et t'auras plus qu'à en commander un si tu veux te procurer un de ces t-shirts. Mais attention, rien d'officiel encore, je te tiendrai au courant de l'évolution de ce projet. Dans un premier temps, je vais d'abord faire les premiers t-shirts et après je vais voir comment ça se passe. Ça, c'était en ce qui concerne mon logo et mes futurs t-shirts. Maintenant, je vais te partager des images que j'ai reçues ici il y a très peu concernant mon combat de la GPW. Je vais diffuser les passages clés du combat et je vais pas partir dans un tas d'explications parce que bah, j'avais déjà fait une vidéo dédiée où je parlais un petit peu de ce combat-là, mais je n'avais pas encore eu les images à ce moment-là. Donc là, je vais te laisser apprécier le spectacle et on se retrouve juste après parce que j'aimerais bien te parler d'un sujet en particulier. Dans les cordes... Projection. Et Bélier et Kilburn a quasiment perdu ses lunettes. Encore une fois. Oh! Oh! Ça, c'est très bien fait. Tombé un. Et on a quand même un arbitre d'expérience dans le ring. Donc, je pense pas qu'on va avoir droit à de la tricherie ou... Et dans le coin, encore une fois. Il revient. Oh! Corde à linge bloqué. Et la souplesse arrière. Oh. Bien exécutée oui. De la part de Kilburn. Un. Deux. Oh! Et dégagement de deux. Quand je veux vidéo. Oh! C'est renversé. Oh, un coup d'avant-bras. Un autre coup d'avant-bras. Et Björk est sonné. Un coup de coude, un uppercut. Dans les câbles. Surpassement. Et non! Et oh, c'était de Kilburn. Il revient. Oh! Non, il s'est tassé. Björk. Oh! Il court dans les câbles de l'autre côté. Une belle botte. Peut-être que plus le match est long, plus il est à l'avantage de Kilburn. Ouais. Une question de savoir qui est le meilleur cardio des deux. Oh! Oh! Oh, un beau fourness, une slam! Pour mettre son corps en péril. Une prise de haut risque. Une manœuvre de haut risque, je veux dire. Et le plus beau saut chassé de la business, c'est un, et deux, et oh! Peut-être qu'il prend trop son temps, là. Oh, un drop to hold. Kilburn. Oh, une belle corde à linge. Coup de coude. D'amortir. Oh! Oh, power slam! Wow! Un, deux, et non! Est-ce qu'il va y faire... Oh! La grosse fin! Et je pense que ça va être assez pour le compte de 3. Crash and burn! Non, compte de 2! Il a encore un enfourchement, la même manœuvre qu'il a fait, mais non, les doigts dans les yeux! Il a pas ses lunettes! Attention! Oh, il prend l'enfourchement encore une fois! Oh, les yeux du serpent! L'aveuglement! Il prend encore sur ses épaules! Oh non, est-ce qu'on va avoir la prise? Oh! Emerald Fusion, le et voilà. Crash. 1, 2 et 3. Victoire de Björk Hagen. Oui, le Belge sort grand gagnant et le...
Il y a un point que j'avais envie de te parler aujourd'hui, et ça va plus précisément concerner les catcheurs. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en fonction de l'endroit où tu catches et de la fédération où tu catches, il n'y aura pas la même audience. Dans la grande majorité des cas, il y a deux types d'audience. La première audience, c'est les fans hardcore de catch, les fans d'internet, les personnes qui regardent toutes les fédérations indépendantes. Et ça, évidemment, ça va pas être des personnes qui vont consommer le catch de la même manière que des personnes qui sont des fans occasionnels, par exemple. Et justement, l'autre type d'audience que tu peux retrouver dans un show de catch, c'est les fans occasionnels. Ça, c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément le catch, qui regardent une fois de temps en temps quand ils zappent la télé et qui tombent sur du catch par hasard. Et c'est là que ça prend toute son importance, parce que quand on est catcheur, en fonction du type d'audience qu'on a dans un show, on ne va pas travailler de la même manière. Pour la première catégorie d'audience, en ce qui concerne les fans de catch, les fans internet, qu'on appelle plus communément dans le jargon les smarts, là il va falloir travailler un petit peu plus quand on est catcheur que par rapport à une audience qui est occasionnelle, parce que ces personnes-là savent le catch, ils connaissent le catch. Dans la majorité des cas, et je dis bien dans la majorité parce que c'est pas une généralité, les smarts aiment quand les catcheurs prennent des risques, quand ils font des séquences inédites, quand il y a aussi des armes qui sont impliquées, etc. C'est un type de public qui est plus préoccupé à prêter attention à l'action qui se passe en elle-même dans le ring, comme par exemple par les séquences que les catcheurs vont faire, par les différentes prises de risque que les catcheurs vont prendre, plutôt que l'histoire qui est racontée. Mais par contre, pour la deuxième catégorie, pour les fans plus occasionnels, là, ça va se jouer plus avec l'interaction. On va plus jouer avec le public. Ma manière de catcher sera différente aussi. Et on va mettre le côté divertissement plus en avant. Comme là, par exemple, le show que je t'ai montré, le combat que j'ai eu ici à la GPW, ben ça, c'était une audience, un public quasiment composé que de fans occasionnels qui sont venus en famille se divertir, voir un show de catch. Et ce type d'audience a aussi un nom, on les appelle les marques. Donc, pour te résumer, les marques, c'est les fans occasionnels, et les smarts, c'est les fans hardcore, les fans d'internet. Je pense que c'est important de pouvoir différencier ces deux types d'audience quand tu vas dans un show pour catcher, pour pouvoir donner la meilleure des prestations possibles. Et il y a une manière toute simple de savoir quel type d'audience tu vas avoir dans un show de catch, ben c'est de tout simplement demander au promoteur. Si c'est dans une fédération que tu connais déjà et que tu as déjà catché plusieurs fois, ben là tu vas le savoir. Mais si par exemple tu débutes dans une nouvelle promotion, ben tu ne sais pas forcément quel type d'audience ils ont. Et là, ben c'est important de poser la question au promoteur. Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur le sujet. D'ailleurs, si tu as d'autres questions relatives avec le catch, ben, n'hésite pas à la poser en bas dans l'espace commentaire. Et d'ailleurs, si tu as apprécié aussi le contenu que je t'ai partagé et les images que je t'ai diffusées de mon combat, ben, n'hésite pas à me laisser savoir aussi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.